précédemment dans Transformers Prime. Ils ont dû atterrir en catastrophe, enterrés ici depuis des siècles. Ces Autobots ne sont pas morts suite à l'accident. Ils laissent paraître les effets d'un virus. S'il existe un remède, Megatron pourrait être la seule personne à le connaître. Vous devez vous introduire dans son cerveau et trouver ce remède. Que fais-tu à l'intérieur de ma tête? Nous avons la formule. Débranche Bumblebee, maintenant! Non! Emmène-moi! Je suis sorti. Suis la lumière. Bien. Bien. Je te conseille d'éviter tout effort pour le moment. Mais il semble que ton système se soit bien remis de la peste bionique. C'est grâce à tes compétences médicales, mon vieil ami. C'est ton éclaireur qui a bravé les territoires inconnus pour trouver un traitement. Heureusement, Megatron était encore vivant. Moi aussi, j'en reviens pas d'avoir dit ça. Le plus important, c'est que toi, tu sois en voie de guérison, Optimus. Alors que Megatron... Bill a raison. J'ai fait de mon mieux pour en finir avec le chapitre Megatron, mais je n'ai pas pu rester assez longtemps pour connaître la fin. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'Optimus découvre que quelque chose cloche chez toi. J'ai besoin de retrouver mon corps. Et pour cela, je dois d'abord prendre le contrôle absolu du tien. Aux prisonniers cybertroniennes? Bee, le panier est là-bas. Bee, tu vas bien? D'accord, 3 points sur 5. Si je veux retourner dans mon propre corps, je dois restaurer sa fonctionnalité. Comment vais-je échapper à la destruction? Évidemment, l'énergone noir. Starscream. Toc toc. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Non, dommage. Mais c'est moi qui possède la seule chose qui vous permettrait de vous relever de ces tables et de marcher à nouveau, mon très cher Megatron. Le tout dernier fragment de cette planète, extirpé de votre propre cellule Spark. Mais il ne pourra pas ramener votre esprit. Les Decepticons ont besoin d'un leader, pas d'une statue décorative. Et moi, je les convaincrai que je suis le digne héritier de votre trône, avec un plan tellement fabuleux que même le puissant Megatron n'aurait pu le concevoir.
C'est un peu l'idée, en effet, Knockout. Tu es là depuis combien de temps? Assez longtemps. Et c'est Commandant Knockout pour vous, Seigneur Starscream d'aujourd'hui et de demain. Raph, t'es en retard. Bumblebee n'est pas venu me chercher et son communicateur est éteint. Tu sais où il est? J'avais besoin de ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu débloques? Tu vois Mégatron dans ta tête? Bumblebee se plaint d'avoir des visions par intermittence, de faire des cauchemars éveillés, si vous préférez. Pourtant, tu as dit qu'il allait bien quand tu l'as examiné. Physiquement, mais l'expérience qu'il a subie semble avoir eu des conséquences sur son esprit. Cette coupure d'alimentation devrait forcer l'esprit de Bumblebee à récupérer. Prime, vous n'auriez pas vu des Decepticons sans chemise hawaïenne par hasard? Non, agent spécial Fowler. Pourquoi? Pour savoir si vous avez une piste sur l'effraction de l'observatoire naval de Kauai par les Decepticons. Une armée de bulldozers aurait fait moins de dégâts. Je me demande pourquoi ils iraient dans un observatoire. Est-ce que le nom de Huck Nigocossian vous dit quelque chose? Le télescope spatial. La nuit dernière, il a perdu sa lentille principale. Il est difficile de comprendre les intentions de Starscream sans savoir où il a emmené la lentille. Alors c'est une bonne chose qu'elle ait un dispositif de pistage. Le pôle Nord? Génial. Encore une chance de pouvoir se geler le Spark. C'est un classe ND7, le plus gros gisement d'énergon inexploitable. Inexploitable? Jusqu'à ce que Starscream fasse fondre la calotte glaciaire. Avec l'aide de la lentille. Faire fondre un glacier de cette taille causerait une montée des eaux et détruirait toutes les villes côtières. Le règne du Seigneur Starscream commence enfin. Et puis j'ai passé la ligne d'arrivée en trombe. Alors ma sœur m'a demandé depuis quand j'étais devenu aussi bon au jeu de course et je lui ai dit que je connaissais un type qui s'y connaissait en voiture. Raphaël, désolé mais Bumblebee ne peut pas t'entendre en ce moment. Il se fait tard, je vais t'envoyer chez toi, auprès de ta famille. Non, j'ai dit à Bee que je resterai. Il est ma famille aussi. Ne sois pas ridicule, vous n'êtes même pas de la même espèce. Ça c'est la famille biologique. C'est pas la même chose, je vais te montrer. Voilà ma famille. Charmante. Tu veux dire nombreuse? Parfois, je pourrais crier sans qu'on m'entende. Oui, oui, d'accord. Mais Bee, lui, m'écoute. Et j'arrive à le comprendre. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Notre dernière visite ici était moins agréable. On se croirait presque en été. Et ici, c'est pas bon. Autobots, vous vous souvenez de la fin de Polyhex? Raphaël, je vais à la réserve pour voir si je peux trouver des pièces pour réparer ça. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, ne touche à rien. Tu vas pas en revenir quand tu verras l'ordi que je veux m'acheter.
Ce sont les coordonnées du site de notre dernière bataille contre Mégatron. On devrait peut-être appeler Optimus ? Optimus est en train d'empêcher la fonte de la calotte glaciaire. Nous devons gérer ça seul. Bumblebee ! Qu'est-ce que tu as fait ? C'est de l'énergie noire ? La question pour Bumblebee. Je crains que le temps passé dans l'esprit de Mégatron le pousse à penser comme un Decepticon. Il n'est pas mauvais. Je sais. Mais nous devons découvrir ce que Bumblebee a l'intention de faire avec cet éclat. Le seul à être au courant pour l'énergie noire était Mégatron. Bumblebee a les souvenirs de Mégatron ? Non, c'est pire. Mégatron s'est emparé de l'esprit de Bumblebee. Quoi ? Comment ai-je pu être aussi idiot ? La connexion cortico-psychique a dû fonctionner à double sens. Quand Bumblebee est retourné dans son propre esprit, Mégatron l'y a suivi. Et maintenant, Bumblebee, je vais dire Mégatron, a activé le pont terrestre vers approximativement les mêmes coordonnées qu'Optimus a utilisées. Reste ici. Non ! Bee a besoin de moi. Oui, tu as raison. Oui, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Hein? Les Autobots. Permettez, Seigneur Starscream, que votre commandant en second s'en charge. Breakdown, détruis-les! Bumblebee les a attaqués ? J'ai bien peur que l'esprit de Mégatron soit dominant. Et je suis certain qu'il est venu ici dans un seul but. Utiliser l'énergie noire pour ressusciter son propre corps. Non. Bumblebee l'en empêchera. Comme il l'a empêché de me faire du mal à la base. J'espère que tu as raison. Bumblebee.
m'écoute toujours quoi qu'il arrive. C'est ça, Bi. C'est bien moi. Ce n'est pas possible. Les Autobots ont l'air moins nombreux que d'habitude, non? Oh, à quoi ça sert d'avoir un commandant en secours s'il ne surveille pas mes arrières? Bouge de mon chemin! Aura été de te laisser la vie sauve, Prime! Mégatron. Il est vivant. C'est un véritable miracle! Oh, ce sera effectivement un miracle, Starscream, si tu survis à ce que j'ai planifié pour toi! Ah. 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 Mais
Terminus. Il est là, à votre merci. Ma plus grande erreur, j'en ai fait quelques-unes. Mais il y en a une que je ne compte certainement pas reproduire. Non, Seigneur. Ratchet, on a besoin du pont. Vous n'êtes pas les seuls. Tout est de retour à la normale. Enfin, normal pour Bumblebee. C'est pas grave. Bien sûr que je le savais. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit merci.